Bonjour à tous, bonjour à tous, Sid avec vous, Sid Trading. Donc là, je vais vous faire l'analyse de SushiSwap, d'accord? Sushi, le sushi, d'accord? De SushiSwap. Ok, donc là, on a eu ici, donc une hausse ici, un retracement ici, octobre 2020, d'accord? Là, ici, cette grosse chute ici. Faites, clac, j'ai pris le graphe de Binance. À mon avis, il y a deux, mais j'ai pris ce plus bas ici, ce plus haut ici. Qui m'a donné ici, donc le BC ici, le AR ici, le ST ici, une distribution qui s'est mise en place, une cause, un graphe super facile. La hausse, la baisse était sans aucun problème inévitable, bien sûr, par rapport à cette cause qui s'est mise en place. Donc ici, A, B, C. Donc grande A, grande B, grande C. D'accord? On est arrivé ici, BC, AR, ST sur le saut. Ok, j'ai mis ici entrée idéale, 3 dollars. C'est l'entrée idéale parfaite. 3 dollars ou 2,12. Je vous l'ai mis ici pour que vous puissiez voir. Ce serait l'entrée idéale. On est descendu jusqu'à... Attendez, hop, je vais le noter ici, comme ça on l'aura. Donc là, on est arrivé sur les 4,33 dollars. Donc là, on est sur le saut. On a ici une, bien sûr, une zone d'accumulation qui s'est mise en place. J'ai eu le SC, une réaction haussière, le AR, le STB ici, je dirais. STB parce que ici on a pris la liquidité du AR. Pour moi, c'est bien le STB. Et on est venu chercher ici la liquidité du STB pour faire ici, j'ai mis des chiffres 1, 2, 3 pour simplifier. Hein. Donc 1, 2, 3. Et ici, on a fait pour moi le spring. D'accord? Donc est-ce que le spring est fini? Avoir sa réaction, d'accord. En tout cas, on a une intention de marché pour qu'il remonte. Donc, intention de marché haussière. Première intention ici. Deuxième intention ici. Il a pris la liquidité ici. D'accord. Donc là, ici, on est venu chercher un niveau bien précis. J'ai mis le rectangle. Ensuite, il a retracé en ABC. Vous voyez bien, ABC. Venu chercher la qualité. Ici, donc là, il a travaillé ici, il a pris la liquidité et maintenant il travaille là. Ok, il va travailler ici pour aller en haut. D'accord? Maintenant, laissez-le travailler, travailler l'entrée. Donc, ce qu'il faut vous dire, c'est que déjà, on est en discount. On est en full discount. Donc, on est dans la, sous la zone des 50 et on est en retracement. On est en retracement par rapport à la baisse et la hausse. On est sur les... Allez, je vais partir d'ici. On est presque arrivé au 88,6. Donc on est entre le 78,6 et 88,6 de retracement. D'accord? Si je trace une figure harmonique, donc une figure harmonique par rapport à ce point-là. Ce point bas ici, si je vais regarder ce que ça donne, tac là, on peut aller jusqu'à 1,4. Donc là, on est au combien? Au 1,60, on peut aller jusqu'au 1,27, voire 1,41,12. Voilà, ça c'est le max. Donc voilà, et après, aller ici, minimum, minimum, allez, 88,6. Voilà, on pourrait revenir ici sur cette zone-là. Donc ça, c'est juste une figure harmonique qui peut donner juste une information de target. Donc ici, une zone ici acheteuse. Donc on est bientôt arrivé sur la zone d'achat. D'accord? Donc on peut se mettre en portefeuille pour aller chercher ensuite vers le haut. Après, au niveau fondamental, il faut regarder si tout est nickel ou pas, si tout va bien, s'il n'y a pas de problème au niveau de la team, au niveau de tout ça. D'accord? Qui a provoqué cette grosse chute parce qu'on est passé quand même de 23 dollars à pratiquement... 4,3 au niveau fondamental. Je peux vous parler moi au niveau technique. Pour moi, au niveau technique, on est en zone d'achat. On peut le mettre en portefeuille. Voilà, pour aller chercher ici une augmentation, un pourcentage. Si on le prend aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, il est là. Ouais, il est là aujourd'hui. Donc, si on le prenait aujourd'hui, on allait chercher ici l'ATH 285%. D'accord? Bien sûr, pourquoi la figure harmonique s'arrête là? Parce que ici, la figure harmonique a un potentiel de venir ici. On peut avoir une correction et après repartir. D'accord? C'est pour ça que la figure harmonique s'arrête là. Il ne va pas chercher directement le BC, le ST qui doit sauter.
OK? Bien sûr, on ne peut pas monter verticalement, on va monter par palier. D'accord? Par palier, atteindre ce niveau, retracer et repartir. OK, donc voilà, en ce qui concerne l'analyse de Sushi, je n'ai pas plus à vous dire. Donc pour moi, on a baissé ARST saut, on est en zone d'accu. OK, on a validé ici 1, 2, 3, on est pour moi sur le spring. D'accord? On va travailler ici le spring pour valider le spring. Si vous voulez le mettre en portefeuille, je ne suis pas un conseiller financier, mais je vous dis au niveau technique ce qui se passe. Offre en circulation au niveau des jetons. Ben, au niveau des jetons, normalement, il y a 250 millions de jetons maximum. Et là, offre en circulation, on est à 192 700. Donc, 192 789 000. D'accord? Donc, 250. On a pratiquement presque tous les jetons en circulation. Il en manquerait 60 000 en circulation à mettre en circulation pour Sushi. OK? Le market cap, capitalisation boursière, le market cap, il est à 1 milliard 176 millions. D'accord? Ce qui n'est pas exceptionnel. Par contre, il a perdu des places au classement, au ranking sur CoinGecko et CoinMarket. Il est à 100, la position 104. D'accord? Position 104. À cause de cette grosse baisse. Voilà pour Sushi. Si vous voulez, l'analyse, elle est là, elle est présente. Si vous voulez en mettre une petite partie en portefeuille. Voilà, vous l'avez sous vos yeux. Bisous à tous, ciao, ciao, bye bye, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.